notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous l'attendons, nous l'espérons. C'est celui que Jésus, dont Jésus nous a promis la venue, celui qui nous enverra d'auprès du Père lorsqu'il sera monté, lorsqu'il aura été glorifié, lorsqu'il sera monté aux cieux, à la droite du Père. Alors demandons à l'Esprit Saint qui va venir de disposer nos cœurs, de les rendre prêts à sa venue, et d'abord de nous donner cette grâce de l'humilité, de reconnaître que nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Là où son pasteur est entré victorieux.
vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est mon berger, tu as
Lecture de la première lettre de saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a jamais commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutées. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. De se trouver sans cesse mis en accusation par le monde, plus ou moins subtilement. Les chrétiens ne sont jamais comme il faut. Soit ils sont trop absents du monde, ils se désintéresseraient des choses du monde, soit ils seraient trop engoncés dans le monde. Alors on a beaucoup reproché aux chrétiens d'avoir oublié de montrer aux hommes le ciel, de cette trompe parfois inversée.
investi dans des missions humanitaires. Ça a peut-être été une tendance de l'Église il y a quelques années. Et inversement, on va lui reprocher parfois d'être en contradiction avec le monde et de se désolidariser des combats du monde. Aujourd'hui, en cette période de confinement, reconnaissons que ce n'est pas très simple de trouver la juste place. D'un côté, les chrétiens s'investissent énormément. Il faut voir toutes ces paroisses qui distribuent des repas, toutes ces paroisses, tous ces chrétiens qui sont investis fortement dans ce combat contre la maladie. Et en même temps, on va leur reprocher de demander que soit repris le culte. On va parfois leur reprocher de mépriser cette cause sanitaire. En réalité, les chrétiens se trouvent pris entre deux chaises d'une certaine manière. D'un côté, évidemment, ils servent le monde, mais de l'autre côté, ils montrent au monde qu'il n'a pas sa fin en lui-même et qu'il y a une vie avec un grand V qui dépasse cette vie avec un petit V et qui ne servirait à rien de vivre et de continuer à vivre si nous n'avons pas des raisons de vivre. Et ces raisons, elles sont au ciel. Alors le chrétien, il est un peu tiraillé entre cette patrie du ciel et ce monde qu'il sert, mais auquel il veut montrer qu'il n'a pas sa fin en lui-même. J'espère être clair. La situation des chrétiens n'a jamais été simple. Alors je me viens en mémoire ce très beau texte. Et ceux qui suivent la messe sur YouTube, eh bien vous avez la feuille de messe qui vous accompagne, et vous avez ce texte aussi qu'on a mis. Et je vous invite à le méditer cette semaine si vous voulez être soutenu dans votre combat spirituel, dans votre prière et aussi dans votre joie d'être chrétien. Je vous le rappelle, en fait ce texte, il est très ancien. C'est un texte du IIe siècle de notre ère. Il s'agit d'un Romain qui s'interrogeait à propos de ce qu'on appelait la secte des chrétiens, des disciples de Christ. Et cet homme qui s'appelait Diognète demande à un ami de lui parler de ces chrétiens. Et la réponse est intéressante. La réponse, je vous en lis quelques extraits si je retrouve mes lunettes. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets. Ils habitent les cités comme les autres. Mais écoutez la suite. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres, ils font beaucoup de riches. Ils manquent de tout, et tous en abondance. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les insulte et ils bénissent, etc., etc. Et de suivre cette magnifique comparaison. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est répandue dans les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant, elle n'appartient pas au corps comme les chrétiens habitent dans le monde, mais n'appartient pas au monde. Voyez cette comparaison entre l'âme et le corps d'un côté, et puis les chrétiens et le monde de l'autre. Je crois qu'elle est très juste. Voyez ce qui se passe en vous. C'est votre âme qui donne la vie au corps. C'est votre âme qui lui donne sa direction. C'est votre âme qui anime le corps. Et le corps a ses lois, et souvent le corps entre en guerre avec cette âme sans laquelle il ne pourrait pas vivre. Voyez cette magnifique comparaison, finalement, les chrétiens, dans le monde, sont comme l'âme dans le corps. Le corps fait la guerre à l'âme, mais l'âme donne sa vie au corps. Et je conclurai avec celui qui écrit cette lettre. Le poste des chrétiens est difficile, le poste que Dieu leur a fixé est si beau cependant qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Chers amis, notre situation est compliquée. La situation des chrétiens a toujours été compliquée. Elle est encore plus compliquée dans les pays de persécution. Elle l'était dans les premiers siècles du christianisme, alors qu'on reprochait toutes sortes de choses aux chrétiens, et qu'ils tenaient bon envers et contre tout.
Cette position, elle est compliquée, mais elle est si belle, parce que c'est le poste que Dieu nous a donné qui ne nous est pas permis de le déserter. Est-ce que nous allons déserter? Est-ce que nous allons déserter de ce poste que Dieu nous a donné, sous prétexte que souvent le monde ne nous comprend pas? Est-ce que nous allons arrêter d'aimer ce monde qui souvent nous condamne? Est-ce que nous allons condamner ce monde qui bien souvent ne nous comprend pas, qui ne comprend pas quelles sont ces lois invisibles qui gouvernent notre cœur? Eh bien non, ce ne serait pas conforme à ce que Dieu veut. D'ailleurs, Jésus le dit dans la dernière prière, à la dernière scène, « Je ne te demande, Père, » il s'adresse à son Père, « non pas de retirer ce que tu m'as donné, c'est-à-dire les disciples de ce monde, mais de les garder du mauvais. » Et au cœur de ce monde, d'être un signe d'amour, d'être effectivement l'âme au cœur de ce corps qui est le monde. Chers amis, notre situation n'est pas facile, mais il ne nous est pas permis de la déserter. Et on pourrait dire de l'ensemble du peuple chrétien, en général, et bien de manière très particulière, la même chose pour ses pasteurs. Aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, c'est le dimanche du bon pasteur. Traditionnellement, nous prions pour les vocations sacerdotales, mais nous prions aussi pour le pape, pour les évêques, pour les prêtres, pour ceux qui ont mission de conduire ce peuple de Dieu. Et vous l'avez remarqué, si vous ne voulez pas être critiqué, ne devenez pas prêtre, évêque ou pape. Parce que du jour où vous le devenez, eh bien les premiers à vous critiquer seront les chrétiens. Les évêques ne font jamais ce qu'il faut faire, paraît-il. Alors parfois ils sont trop zélés, ils dénoncent le monde, et parfois ils sont trop mous. Et voyez dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire entendre notre besoin de prier? Oui. Est-ce qu'il faut demander et réaffirmer le besoin que nous avons de pratiquer le culte chrétien? Ou est-ce qu'il faut privilégier ces impératifs sanitaires et ne pas laisser entendre à la société que nous nous désolidarisons? C'est compliqué, reconnaissez-le. C'est compliqué et nos pasteurs ont plus besoin que nous prions pour eux que de critiques. On prête cette histoire, et il y a cette anecdote de Saint Jean-Marie Vianney qui, à la sortie d'une messe, entend les paroissiens commenter son homélie en disant « Aujourd'hui, notre petit curé n'a pas été très inspiré. » Et Jean-Marie Vianney de les interrompre en disant « Écoutez, si vous commenciez par appliquer ne serait-ce que 10% de ce que j'ai dit, déjà, mon homélie n'aurait pas été vaine. » Chers amis, le pape, les évêques, les pasteurs ont moins besoin de critiques que de prières. Nous devons prier pour les pasteurs. Et nous ne devons pas oublier peut-être ce secret, c'est que les pasteurs ne sont pas le pasteur. Les pasteurs, l'autorité des pasteurs, elle leur vient du seul bon pasteur. Aujourd'hui, nous fêtons le Christ bon pasteur. Personnellement, j'ai compris un jour le secret de la véritable autorité. En contemplant, en regardant, parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années à Rome, du temps du pontificat de Jean-Paul II, et assister à la messe que célébrait Jean-Paul II, c'était impressionnant. En particulier, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, le pape ne s'habille pas seul. Avant de se préparer, lorsqu'il se prépare avant de célébrer la messe, il est comme tous les prêtres, il se dispose, il s'habille, il va revêtir l'aube, le cordon, la mitre, l'étole, symbole d'autorité spirituelle, d'autorité sacerdotale, et la chasuble, qui est cet amour du Christ qui doit tout recouvrir. Mais alors que les prêtres normaux s'habillent eux-mêmes, eh bien, le pape Jean-Paul II, à la fin de sa prière du matin, lorsqu'il allait célébrer sa messe, non pas à la chapelle Sainte-Marthe comme le pape François, mais lui dans sa petite chapelle, non loin de son bureau et de son lit, eh bien, il s'avançait tout doucement près de l'autel, il restait debout et il étendait les bras. Et à ce moment-là, son serviteur, eh bien, l'habillait, lui attachait le cordon autour de la taille. Pensez à cette prophétie que Jésus a faite à Pierre. Un autre te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Un autre t'attachera à la ceinture et te conduira là où tu ne voudrais pas aller. Et on sentait que Jean-Paul II vivait cela. En fait, ce serviteur représentait le Christ, et c'est le Christ qui l'habitait, qui l'habillait.
Et c'est le Christ qui le saignait de ce cordon, et c'est le Christ qui le guidait. Et lorsqu'on voyait prier, lorsqu'on voyait célébrer la messe, on comprenait le secret de cette très grande autorité que Jean-Paul II avait. Il avait autorité, il nous entraînait à sa suite, non pas parce qu'il puisait cette autorité en lui-même, ça ce serait l'autoritarisme, ce serait un abus de pouvoir, et on est toujours menacé de cela. Non, il nous entraînait à sa suite parce que lui-même était l'agneau qui suivait son pasteur. Lui-même était dans l'obéissance comme un agneau à celui qui est l'agneau, qui suit son père et qui obéit son père. Et c'est une chaîne d'obéissance dans l'amour. Et on sentait qu'à chaque instant, il était branché sur son Seigneur, qu'il écoutait sa voix, qu'il obéissait à sa voix. Et au fond qu'il ne faisait rien de lui-même. Ce que Jésus dit lui-même très souvent dans l'évangile de saint Jean, il dit « Je ne fais pas mes propres œuvres, mais je fais les œuvres du Père. Je ne fais pas en fonction de ce que me disent les hommes, sous la pression des hommes, sous la pression de l'opinion, sous la pression même des bonnes volontés, mais j'écoute la voix du Père. Et c'est lui qui a le timing, le bon timing, et qui me dit à chaque instant ce que je dois faire pour le bien des hommes. » Eh bien, nous devons prier pour que les pasteurs, pour que le pape, pour que les évêques, pour que les prêtres, et que pour tous les chrétiens en situation de responsabilité, soient toujours dans l'écoute, non pas de la pression du monde, non pas de la pression des pétitions, non pas dans la peur de déplaire, non pas dans toutes ces dimensions horizontales, où nous sommes simplement confrontés à d'autres hommes qui font pression sur nous, mais que ces pasteurs soient branchés sur l'unique pasteur des brebis et qu'ils écoutent, qu'ils soient dans l'obéissance. C'est cela être branché sur l'Esprit Saint. C'est cela être dans l'obéissance cœur à cœur, pas à pas, minute après minute, cette obéissance que Dieu nous demande. Alors nous devons prier pour nos pasteurs, nous devons prier pour le pape, pour les évêques, et aujourd'hui nous devons prier aussi pour tous ces jeunes gens qui répondent à l'appel de Dieu. Je vous avoue aujourd'hui, pour avoir accompagné pas mal de garçons qui se destinent au sacerdoce, qu'il faut beaucoup de courage pour répondre oui. Il faut beaucoup de courage au moment où le prêtre est sans cesse moqué, au moment où l'Église est sans cesse devant la contradiction pour engager toute sa vie à la suite du Christ. Il faut du courage, il faut de la foi, il faut aussi beaucoup de docilité, de douceur. Alors, demandons à l'Esprit Saint. Seul l'Esprit Saint peut nous faire tenir cette place. Et je terminerai sur cette image de Pierre. Pierre qui, à la Pentecôte, est debout. Il est debout, le même qui a renié le Christ trois fois lors de la Passion. Le même qui est confronté sans doute à beaucoup de pression. Et toutes les décisions qu'il a à prendre comme berger, comme pasteur, comme premier pape, eh bien peut-être qu'elle pouvait l'écraser. Mais il s'est laissé remplir avec les 11 autres, avec les 10 autres, pardon, il s'est laissé remplir de l'Esprit Saint. Et il est debout. Prions pour que les chrétiens soient debout. Debout envers et contre tout. Debout non pas pour dénoncer le monde, mais pour dénoncer le mal. Et moins dénoncer que proclamer l'espérance qui est en eux, à temps et à contre-temps. Que les chrétiens tiennent ce poste debout, au milieu du monde, ce poste dont l'auteur de l'Épître à Diocletien nous dit qu'il est difficile, qu'il est compliqué à tenir, mais que ce poste que Dieu a voulu pour eux est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Chers amis, frères et sœurs, demandons de ne pas déserter ce poste que Dieu veut pour nous, et aidons-nous à le tenir les uns les autres. Confortons-nous les uns les autres au lieu de nous accuser, au lieu de nous culpabiliser les uns les autres en nous disant « Tu ne fais pas assez, tu n'es pas assez comme ci, comme cela ». Au contraire, aidons-nous à tenir ce poste. Il est si beau, il est si beau, rappelez-vous, qu'il n'est pas permis de le déserter. Amen. Thank you.
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères unis dans la prière commune, présentons à Dieu nos prières pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Suscite au cœur de ton Église les voix prophétiques que le monde attend. Nous t'en prions, Seigneur. Juste et inspiré par la charité. Soutiens-la par ton Esprit Saint. Nous t'en prions, Seigneur. Que ce temps de confinement éloigne de leurs fidèles.
garde-les dans la fidélité. Nous te confions également les jeunes appelés à suivre Jésus dans le sacerdoce. Soutiens-les puissamment. Bénis ceux qui seront ordonnés diacres et prêtres dans les prochains mois. Nous t'en prions, Seigneur. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il porte.
possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte et enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pape Léon XIII avait composé cette prière à Saint-Michel-Archange. Il demandait à tous les prêtres et les chrétiens de dire chaque jour après la communion. Le pape Jean-Paul II, le pape François l'ont rappelé. Alors je vous invite, si vous souhaitez, à vous joindre à cette prière. Vous en avez le texte sur votre feuille. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Prions le Seigneur. Père tout-puissant et pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il est temps de...